Hello, family. Welcome back to EEBC's YouTube channel as we continue to study the first epistle of Paul. We pray you were blessed during the study of the first chapter. If you have not studied the first chapter, we hope you can go back and get caught up. In chapter 2, we will begin to study the requirements that Paul was discussing with his true son of the faith, Timothy. That first requirement is prayer. We see the fundamental role that prayer plays in our churches, in our congregations. We also see the fundamental role that men praying play in our churches and in their families. Take hold of your Bibles, open your hearts, and let's delve into the Word of God together. Here is our teacher, Misak Diedonné. Mes amis, bonsoir, bienvenue. Nous comptons pour nous rejoindre encore à Soya pour l'autre session d'études bibliques. Nous sommes vraiment reconnaissants envers le Seigneur pour l'opportunité que le banon pour nous avec ou encore. Donc, à Soya, nous avons commencé l'étude biblique là pendant que nous avons songé. Frère avec Sœur New York qui est dans West Coast, Florida, dans la zone de Naples, Fort Myers, Punta Gorda, Bradenton, Sarasota, Sanibel, Island, toutes zones qui frappées par cyclone, nous avons pris un temps à Soya pour nous capables prier pour nous-mêmes. Parce que nous croyons que l'important que nous songeons, mon Dieu, qui frappées en pile par cyclone. Donc, la contrôle et la caillou, rejoignez-nous dans la prière. Seigneur, nous venons en présence ou à Soya. Nous remercions premièrement pour un privilège comme nous, pour nous retourner encore, rejoindre nos amis auditeurs pour cette étude biblique. Mais nous voulons prendre temps également pour nous songer, frères nous, sœurs nous, qui sont dans la zone Naples, qui sont dans la zone Fort Myers et toute West Coast, Florida, qui est frappée par cyclone Ian. Je prie, Seigneur, qu'on soit capable de réconforter. Je prie que, Seigneur, ou capable suer de l'eau dans yeux dans pile là dedans Seigneur qui perd du caillou qui perd du tout ça ou t'es possédé ou t'es travail du puis t'es gagné Seigneur on a demandé autant prier wale wa pour capable bailler force à volontaire qui sous place kounia cap travail pour aider moun sa yo gouvernement gouvernement fédéral gouvernement local gouvernement étatique cap travail avec moun sa yo pour aider yo on prie Seigneur qu'on capable bailler sagesse qui est nécessaire ou qui gens yo capable supporter ses frères et sœurs Seigneur qui en difficulté qu'on y a Père nous mandé au Père pour capable ban nous raison sous dans étude biblique là sous Seigneur illuminer penser nous yo et nous mandons toute grâce à yo avec pardon péché nous dans le nom de Jésus amen. Nous retournons encore jeudi avant l'autre session d'étude biblique et n'a pas rappelé où que apôtre Paul dans chapitre 1er nous étions ensemble que apôtre Paul lirait les Timothée petit garçon lit dans la foi nous également dans chapitre 1er il demandait à Timothée pour le rester à Éphèse dans chapitre 1er toujours apôtre Paul exhortait l'église éphésienne pour embrasser Timothée comme pasteur parce que bon Dieu relait Timothée pour travailler ça et parce que tout Timothée lui recevoir instruction pour lui capable enseigner à l'église Éphèse là la parole du Seigneur dans chapitre 1er également nous voit Paul lui rappeler l'église Éphèse là qui mon litéyé avant de rencontrer avec le Seigneur Jésus et qui qualité grâce également que bon Dieu lui jeté sous la ville les mêmes qui c'est un pécheur nous voit aussi que apôtre Paul face à grâce ça que bon Dieu bali que bon Dieu vidé sur la ville, nous voyons aussi que apôtre Paul, lui fait louange pour bon Dieu, lui baille bon Dieu gloire, lui, ça nous relaie en doxologie, en théologie, que nous joignons dans le chapitre 1er, le verset 17e, côté apôtre Paul dit, au roi des siècles immortels, invisibles, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Nous voyons aussi dans le chapitre 1er, finalement, que apôtre Paul demandait à Timothée, petit garçon de la foi, pour lui garder la foi, pour lui quimber la foi. Et deuxièmement, il demandait également pour lui avoir une conscience qui est claire, une conscience qui purifiait. Pendant que nous avons avancé avec l'étude là, nous avons abordé à Soya, deuxième chapitre là. Et dans le deuxième chapitre là, Paul, lui a des encouragements à Timothée. Pendant que nous avons rappelé Timothée également, qui sa travail lié comme pasteur.
Certainement, dans le chapitre 1, il était commencé à dire Timothée, quelques bagages, ça. Mais dans le chapitre 2, il a continué avec encouragement, ça, pour Timothée. Mais également, la baille, l'église, il faisait instruction sur qui gens peut adorer le Seigneur. Dans la première session, nous, dans le deuxième chapitre, là, soya, on va considérer quatre premiers versets seulement. Parce que le texte est tellement riche que nous n'avons pas qu'à aller trop fort, trop vite avec le texte. Donc, on va considérer seulement les versets premiers au verset 4. So for tonight, we will consider only the first four verses in chapter 2 as we begin to study chapter 2 of 1 Timothy together. Donc, quand ça prend, on coupe la parole de bon Dieu avec nous pour nous capables de lire la parole de Dieu. On va lire pour vous à soya en créole. Verset 1er, chapitre 2, 1 Timothée, chapitre 2. Pour commencer, m'a demandé pour nous la prière, bon Dieu, pour tout le monde. Fais toute qualité de monde pour yo. Mande le pardon pour yo. Dis le merci pour yo. Verset 2. C'est pour nous la prière pour chef yo. À tout l'autre monde qui a autorité dans main yo. Pour nous ka vivre tranquille à qu'imposer dans le service mondial. À yo comportement qui respectable sur tout point. C'est bagay comme ça qui bien. Qui fait bon Dieu sauver nous en plaisir. Verset 4. L'état remet ouais tout le monde sauvé. L'état remet ouais tout le monde rivé con vérité. Verset ça yo, 4 versets ça yo en anglais, apôtre Paul commence li avec mot ça, I urge you. I urge. En français, c'est moi exhorté, son exhortation que Paul a bail. Chaque fois où est mot ça en anglais, si on une version anglaise ou à lire la parole de Dieu, I urge you. Donc, qu'on est Paul a parlé de yon exhortation, que la Bible a parlé de yon exhortation. Ministère, c'est yon bagay qui très demandé. L'homme dans le ministère, ou tellement de occupation, ou tellement de choses qu'on besoin faire. Quelquefois, il qu'on arrive que dans le ministère, oubliez bagay qui est important. Yo. Et m'a parlé avec vous comme yon moun ki dans le ministère et vous réalisez combien facile pour moun ki dans le ministère pour oublier bagay qui est important. Moi dans le studio l'église à Kounia là dans l'office l'église. Matin, l'homme rentre au fils l'église, il était 7h30 du matin. Moi, commencer le travail que je dois faire pour préparer l'étude biblique, pour préparer le message, etc. À 9h, je vais rendez-vous pour mener de l'autre bien-aimé l'église qui a besoin d'immigration pour me mener ou aller, puis aller régler au papier immigration. L'homme rentre dans l'office encore pour continuer le travail. By the time, il était 2h, 3h de l'après-midi. Moi, rentrer la caille, de nous retourner dans l'office d'église encore pour counseling, avec un couple qui va le marier. Donc, vous remarquez que tant moins, les passer dans même la journée, hein, et si je ne prends bien, m'oublier les bagailles qui sont importantes également. Et Paul reconnaît que comme pasteur, Timothée a bien tendance tout pour oublier les bagailles qui sont importantes, les bagailles qui sont priorité dans le ministère. Parce que Paul commençait avec ça qui est plus priorité dans le ministère. Tendez bien, bien aimé dans le Seigneur. Paul commençait avec ça qui est plus priorité. Le lapin appelait Timothée, travaille comme pasteur. Premier bagage que Paul commençait avec lui, c'est la prière. Gardez verset premier avec moi. Paul says, I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. Moi encourage, moi exhorte que nous prier, nous lancer des pétitions à Dieu, nous intercéder et nous faire des prières de remerciement pour tout le monde. Et ça, Paul a essayé de faire là, c'est montrer à Timothée que première responsabilité, premier travail que le besoin prend à cœur dans le ministère, c'est la prière. C'est la prière.
La prière, c'est première chose que yon pasteur, yon enseignant de la parole de Dieu, li doué, mette tête li dans le travail ça pour le faire. La prière. I urge then that we pray. We pray. Paul va commencer avec I urge then that we help people. Il va commencer avec I urge then that we go out there and distribute food to people. And these things are good. Don't take me wrong, because we do that at EEBC as well. We do that. We understand that there's a need for it in our community, and we are doing it. And we are seeking for ways to do it even more. But as a pastor, as a minister of the gospel, I must remind myself from time to time that I need time to pray. I need to be in prayer. This is my first order of business. Ça y est, premier bagage que j'ai besoin de faire, c'est la prière. Qui aime dire le diapo? Ou à connaître si pasteur, son bon pasteur, son pasteur qui respecte tête lui. Ou à connaître leader dans l'église ou que c'est leader qui choisit par Dieu, tout le monde vrai, le leader ça y est, ou est sous genou dans la prière. Si on est un leader, par la prière, il n'y a pas de temps pour prier, m'a questionné appel leader ça. Parce que Paul dit à Timothée qui est un pasteur, premier bagage que je veux faire, c'est la prière. Premier bagage que je veux faire, c'est la prière. Moi, je veux passer temps dans la prière. Enseignant parole, mon Dieu, nous voulons passer temps dans la prière. Pasteur, nous voulons passer temps dans la prière. Leader, l'église, nous voulons passer temps dans la prière. Évangéliste, nous voulons passer temps dans la prière. Groupe d'âmes, et ministère des hommes, ministère des femmes, leader qui est dans l'église, nous voulons passer temps dans la prière. Il est extrêmement important que le leader d'église comprenne l'importance de la prière et crée temps pour prier. We must create time to pray. This is important. C'est vraiment, vraiment important. Donc, Paul parlait de plusieurs mots. Il a parlé de la prière. Il parlait de prière. Il parlait de intercession. Il parlait de pétition. Et il parlait également de prière, de remerciement. Il y a prière, mot grec que Paul utilisait pour lui, vraiment. Il y a une idée. Il y a un monde qui a relé dans mon Dieu. Qui a fait appel à Dieu. On moun kapé évoquer le nom de l'Éternel, en même temps qu'a présenté à l'Éternel une requête particulière. Paul parlait également de pétition. Une pétition, c'est une requête que moun adressé avec un monde pour résoudre un problème. Par exemple, il y a un certain bien-aimé à l'église, Emmanuel, nous connaît qui est malade, et donc moun sa yo nous pétitionner mon Dieu pour yo. Ça veut dire nous demander bon Dieu pour l'intervenu dans la situation que vous avez pour guérir mon sayo ou bien pour avoir courage pour supporter maladie que vous avez donné. Dans le commencement de l'étude biblique, là, nous avons pétitionné l'Éternel pour frère nous, soeur nous qui frappé dans West Coast, Florida. Donc c'est une pétition que nous lançons à Dieu pour demander bon Dieu réconforter. Paul utilisait un autre mot encore que nous relais intercession. Yon intercession, encore c'est un terme légal que ça y est. Le monde a pu intercéder pour un monde, c'est yon requête que ou a pu, un requête formelle qu'on a présenté devant un juge. Son terme juridique que lié tout simplement. Ça fait la Bible dit que Jésus a intercédé pour nous. Ça Jésus a fait, c'est avocat nous lié, et comme avocat nous travaille, c'est pour l'intercéder. C'est comme Jésus a présenté des arguments auprès de son Père, en ma faveur, en votre faveur, en notre faveur. Donc, Paul utilisait mot ça, tout qui c'est intercession. Et enfin, Paul parlait de Thanksgiving, qui c'est une prière de remerciement. Yon Thanksgiving, c'est une prière la dernière, on moun a exprimé gratitude envers Dieu. Et Paul dit, livrez que nous, la prière.
et pour nous la prière pour tout le monde. Nous pas nous la prière seulement pour monde que qui zamine nous. Mais Paul disait pour nous la prière pour tout le monde. Nous pas la prière seulement pour monde qui dans l'église ou à l'église Emmanuel. Nous pas faire ça dans l'église Emmanuel. At EEBC, we pray for the world. We pray for all people. Parce que c'est un commande que la parole de Dieu lui passe nous pour nous prier pour tout le monde. Donc nous devons prier pour tout le monde. Nous allons prier seulement pour monde qui convertit déjà. Ça veut dire pour monde qui accepte Jésus comme sauveur personnel déjà. Mais nous devons prier même pour monde qui pas converti. Et comme Paul voulait Timothée comprendre question prier pour tout le monde ça, Paul au verset 2e, regardez verset 2 avec moi. Paul dit, moi voulais nous prier pour les rois. Moi voulais nous prier pour les autorités. Et ça lui est extrêmement important que chrétiens comprennent importance pour nous prier pour monde qui joue un rôle d'autorité. Et ici là, Paul pas parler vraiment de pasteur, yo, puisque yo même tout, yo joue un rôle d'autorité dans l'église. Yo. Mais Paul dans texte là, contexte a pas dit donc que Paul a parlé de pasteur pour l'église à prier pour pasteur, yo, qui c'est autorité que bon Dieu place dans l'église. Yo. Mais Paul expressément ici a parlé de autorité politique. Yo. Ça fait Paul mentionner royo, prier pour royo. Ça veut dire pour monde qui a pu diriger pays nous. Pour moun kap dirige état côté na vivio, pour nous prier pour moun ki magistrat nan ville côté nou yo, Paul mande l'église pour prier pour moun sa yo. Et pour qui raison Paul mande pour nous prier pour moun sa yo? Paul dit pour que nous capable mener la vie tranquille. Tendez bien bien dans le Seigneur. Nous pas prier seulement sous démocrate et pour qu'on va prier seulement pour président démocrate. Ou bien sous démocrate, on va prier pour sénateur qui démocrate ou bien pour congressman qui démocrate. Ou bien sûr c'est républicain parce qu'on a droit pour républicain ou bien droit pour démocrate n'importe ça oublié et ça c'est up to you pas y'a monde qui a droit de moyen dans ça mais parce que vous c'est républicain pas vous dit c'est pour président républicain seulement pour prier pas vous dit non plus que c'est pour sénateur qui est républicain ou congressman qui républicain seulement prier sous c'est démocrate ou bien c'est républicain n'importe ça oublié sous c'est chrétien la Bible mande pour prier pour toute autorité. Et si on s'est républicain qu'on y est, la Bible mande pour prier pour président Joe Biden, qui est démocrate. Et si on vit en Floride et que on s'est démocrate, ah ben, la Bible mande pour prier pour gouverneur Floride, qui est Ron DeSantis, qui sont républicains, la Bible mande pour prier pour lui. Ou est question de prier pour autorité, il va bien pour louer avec qui parti politique qu'on la donne. Son question de chrétien, sous c'est chrétien et que vous c'est yon moun kap suiv Jésus ou gen obligation pour prier pour moun qui a pe diriger nous yo, pour moun qui a pe gouverner nous yo. Parce que la Bible dit nous, Paul dit nous, le nous fait ça, nous vivons la vie qui est paisible, nous la vie qui est tranquille. Tout le temps ou gen mauvais dirigeant dans le pays et vous pas prier pour yon, pour bon Dieu prendre kayo. Méchanceté va couvrir pays là. Et quand méchanceté couvrir pays là, la vie est difficile pour même comme chrétien, pour mener la vie sanctifiée, pour mener la vie de sainteté. La vie est difficile pour. Ainsi Paul dit à chrétien, priez pour autorité. Priez pour autorité. Bon, pose une question ça. Qui dernière fois tu as prié pour le président Joe Biden? Qui dernière fois tu as prié pour gouverneur dans l'état que tu vas vivre là, pour nous même en Floride, c'est gouverneur Ron DeSantis. Qui dernière fois tu prié pour yo? Qui dernière fois tu prié pour congressman yo? Qui dernière fois tu prié pour sénateur? Qui dernière fois tu prié pour juge yo? Qui dernière fois tu prié pour officier de police yo? Qui dernière fois tu prié pour magistrat qui dans ville pour commissioner qui dans ville yo? Nous avons responsabilité pour nous prier pour ses autorités. Verset 3. Gardez verset 3 avec. Parce que vous connaissez, quelquefois, la parole bon Dieu mandé nous pour nous faire un bagage, nous toujours chercher excuse pour nous pas faire. Nous toujours chercher excuse. Alors, en anglais, vous avez loopholes. We always find loopholes to escape something in this country. Even in taxes, people are using loopholes to make money. Parce que l'homme remet ça même, l'homme remet échapper
à obligation. Le con est un bagage qui nous fait. Il n'y a pas d'avantage, et puis il a cherché un moyen pour ne pas faire. Il a cherché une excuse. Et comme Paul parlait, l'église là, prend quelle excuse pour ne pas prier pour les autorités, Paul ajoutait dans verset 3, this is good. And this is pleasing unto the Lord. Ça veut dire prier pour autorité, son bon bagage, et ça fait bon Dieu plaisir. Si on dit, lui remet bon Dieu, il voulait faire bon Dieu plaisir, pour ça ne pas obéir à commandement mon Dieu. C'est Jésus qui dit nous, si vous m'aimez, gardez mes commandements, faites plaisir, faites ça, mando fait. Si bon Dieu mande nous pour nous prier pour autorité, yo. Et bon Dieu dit nous, ça sont bon bagay liye pour nous prier pour autorité nous. C'est yon bagay qui fait le plaisir. Donc si moi avant, nous pas fait ça bon Dieu mande pour nous faire, donc nous pas qu'à dire que nous te fait bon Dieu plaisir. Nous pas qu'à dire que nous remet bon Dieu. This is good and it is pleasing unto God our Lord. Li bon pour nous prier pour autorité nous yo. Et m'a pas encourager nous pour que nous tout net capé suivre moi à soya, qu'a participer dans l'étude biblique ça. Pour nous songer que nous devons prier pour autorité. Quel que soit parti politique que vous appartenu à lui ou quel que soit parti politique que vous même vous appartenu à lui, nous avons obligation comme chrétiens pour nous prier pour autorité nous yo. On va avancer à verset 4 là, et avec verset 4 là, nous allons terminer également à soya. Il y a une question que nous devons poser tête. Et question, hein, c'est pour qui ça même prier pour autorité ou faire bon Dieu plaisir? Mais qui ça la même que bon Dieu prend plaisir la même? Alors, verset 4, bon nous réponse là. Puisque verset 4 là, dit nous que bon Dieu voulait tout le monde pour nous sauver. Bon Dieu voulait tout le monde pour nous sauver. Si autorité ou estime yon pas contre bon Dieu, si ou estime que yon pas chrétien, et bon, yon responsabilité pour prier pour yon. Parce que bon Dieu voulait que Ron DeSantis sauvé. Bon Dieu voulait que Joe Biden sauvé. Bon Dieu voulait que magistrat dans la ville yon sauvé. Parce que yon c'est des âmes, tant que tout l'autre et nom yon. Et bon Dieu voulait sauver yon également. N'a pas rappelons que c'est apôtre Paul au verset 13, dans le chapitre 1er, hein, qui te dit non, que raison qui fait Jésus venir, c'est pour sauver les pécheurs. C'est pour sauver les pécheurs. Et si bon Dieu voulait sauver les pécheurs, donc nous avons responsabilité nous-mêmes comme chrétiens pour nous prier pour le monde qui a péri. C'est une responsabilité que l'Église gagne. Et ma paix challenge, ma bon défi à soi. Pour que dans la prière, on prend temps pour prier pour le monde qui va convertir. Dans la congrégation, nous, bon challenge nous. Le temps de la prière, c'est le temps de prier pour le monde qui va convertir. Pour que il y ait un record d'âme dans le monde. Son responsabilité que bon Dieu baille l'église là. Pour intercéder en faveur du monde qui va convertir. Pour pétitionner mon Dieu, pour demander mon Dieu, sauver nan moun sa yo, ka peri yo ki pral aller dans l'enfer. Cette responsabilité, li sou dom, li sou do Paul également. Et nous tout net, nous besoin prendre ça à cœur pour nous prier pour tout monde, pour nous prier ni pour moun ki converti, ni pour moun ki pa converti, mais aussi pour nous prier pour autorité nou yo. Ki le man rappele yo, yo parole que deux auteurs, deux prédicateurs, grands prédicateurs, ils ont dit, premier, c'est John Wesley. John Wesley dit, light yourself on fire with passion and people will come see you burning. Light yourself with passion and people will walk miles to watch you burn. Gon pile prédicateur qui a prêché la parole. Yo vle moun tande yo, mais yo pa gen onction mon Dieu. Et raison qui fait yo pa gen onction mon Dieu, c'est parce que yo pa vle prend temps dans la prière. Yo va aller passer temps à genoux dans la prière. Moi ma bon Dieu gloire de ce que moi grandir dans l'église. En l'église côté yo te croire dans la prière. En l'église côté yo te apprendre nous la prière comme jeune petit garçon
qui a 16 ans, 17 ans, dans la prière, dans passer des jours, des heures, dans le jeûne et dans la prière, dans faire veille de nuit. Garçon à la prière, jeune fille à la prière. Bon, bah, bon Dieu, gloire pour Jean-Louis. Il était utilisé pasteur nous d'alors, qui était papa dans la foi et en même temps grand frère moi, feu Silvio Dieudonné, qui était inculqué dans nous notions de prière. Moi, bah, bon Dieu, gloire également pour ma mère, qui, dans l'heure, bral dans jeûne, qui traînait pour mener dans jeûne, pour la prière, et qui enseignait le goût de la prière. Moi, bah, bon Dieu, gloire de ce que, jusqu'à présent dans la vie, moi, garder cette vie de prière. Parce que l'impossible qu'on m'en enseigne la parole de Dieu efficacement, ou bien prêcher la parole de Dieu efficacement, s'il pas dans la prière. S'il pas chercher la grâce de Dieu dans la prière, s'il pas jeûner, s'il pas capable manger sous côté pour petit temps, pour passer autant extensive dans la présence de Dieu. Donc, by bon Dieu, gloire pour cela. Il y a également Oswald Chambers, c'est un plus grand auteur qui existait dans le domaine de la prière. Donc, on ne va pas parler de la prière sans pas mentionner Oswald Chambers. Et Chambers, he says that prayer does not fit us for greater work. Prayer is the greater work. C'est pas, la prière pas aider nous faire gros travail pour mon Dieu. Puis gros travail là, c'est la prière, l'irélé. Quand ça, si on enseigne à comprendre, c'est enseigner la parole de Dieu qui plus gros travail ou fait erreur. Plus gros travail, là, c'est la prière. Avant, on a l'enseigner ou de nous passer tant dans la prière. Avant, on a le prêcher ou de nous passer tant dans la prière pour chercher la grâce de Dieu, pour chercher gagner onction, mon Dieu, dans la vie, pour que parole ou prédication ou enseignement soit capable de traverser l'autre monde et capable d'une bénédiction pour l'autre monde. Mes amis auditeurs, bon encourager vous. L'on est pasteur ou la prière pour encourager. Sous un pasteur qui remet la prière et qui a encouragé pour la prière, dis mon Dieu merci pour lui-même. Parce que plus gros travail que nous avons fait dans le champ de Dieu, c'est le noir genou devant le trône du Seigneur. Et sous un pasteur également ou bien leader à l'église qui va remet la prière, priez pour vous. Mandez mon Dieu pour vous un esprit de prière. Parce que yon moun pas capable yon leader d'église, yon moun pas capable pasteur, yon moun pas capable enseignant de la parole de Dieu, s'il va passer temps dans la présence de Dieu. Faisons la prière ensemble. Seigneur, merci. Merci parce que vous rendez possible pour nous être ensemble encore aujourd'hui. Pour nous garder recommandations qu'on quittait pour nous, paroles qu'on quittait pour nous à travers ton serviteur apôtre Paul qui t'a écrit à Timothée, son fils légitime dans la foi, et à l'église d'Éphèse, qui pour nous également aujourd'hui. On aide nous comprendre ce soir, Seigneur, que plus gros bagaille que nous sommes capables de faire pour notre travail, c'est le nous à genoux dans la prière, c'est le nous devant trône nous dans la prière. Moi, prier, Seigneur, qu'au Kembe, la caille, moi, ce désir, cette passion pour prier, et que vous développez la caille, moi, encore plus. Moi, prier, Seigneur, pour chaque bien-aimé qui a suivi nous à soir, qui a perdu goût de prière, yo. Moi, prier, Seigneur, qu'on aide, yo. Moi, prier, Seigneur, qu'on permette au Dieu que y ait un réveil spirituel qui éclate dans l'église là, dans le monde. Pour que nous pas venir à l'église qui, pas dans la prière, mais pour nous, l'église qui a genoux devant ton trône. On l'église cap la prière, on l'église cap la prière pour tout le monde, on l'église cap la prière pour les autorités, mais on l'église également cap bataille sous genou pour sauver des âmes. Seigneur, moi prier au Père que on bénir chaque ami auditeur nous qui est avec nous à soir et qui te rejoint nous encore pour cette session d'étude biblique. Bénir la soirée pour nous, et bénir la journée pour nous, quelle que soit l'heure que Zami nous avons gardé vidéo ça. Seigneur, bénis en journée, hein. Bénis en famille nous, prends soin de nous. Il faut encore moi prier pour tout le monde qui est dans West Coast, Florida. Seigneur, continue de prendre soin de nous, parce que nous avons besoin dans le moment ça. Père, nous comptons sur Seigneur et nous demandons toutes ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Zami auditeurs, nous remercions le Seigneur pour vous-même. Merci parce qu'on t'est rejoint nous encore aujourd'hui pour cette session d'études bibliques. Nous allons dire gloire à vous. N'attendons la semaine prochaine. Dieu vous l'a.
Côté, on va continuer avec l'étude là sur le livre 1 Timothée. Et on va continuer avec chapitre 2. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore. Que bon Dieu bénisse. Bye bye.